Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de mon frérot BC. BC c'est qui? C'est un rappeur de mon secteur et un rappeur talentueux. Je vous mets un extrait de son clip maintenant. Tu fais le mec à crapoter, loupe le virage et tu prends le bas côté. Dans la vie à les potes et les poutos, pour un rien ça te sort le couteau. J'ai des frérots derrière les barreaux, je le sais, je suis pas très réglo. Donc voilà, si vous voulez aller voir le clip du frérot, n'hésitez pas, le lien est en description, ça y fera plaisir et il mérite. Le but de cette vidéo c'est de faire passer un faux billet comme vous voyez là. Il est vraiment dégueulasse, hein, ça fait des... De toute façon il y a écrit propre copie là, donc on voit bien que c'est un faux, hein. Faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Mais on va quand même tenter l'expérience. On va appeler des petits dealers sur Snapchat. Vous savez, ceux qui vendent des substances illicites sur Snap. On a trouvé 2-3 contacts sur Marseille. On va les appeler. Ils vont venir. On va leur donner notre adresse. Et on va leur faire passer le billet. Le but de la vidéo, c'est de voir leur réaction quand ils vont voir que c'est un faux billet. Pour ça, mon frérot est venu. Il est venu pourquoi? Parce que si jamais ça part en couille, déjà, il est là. Et en plus de ça, j'ai ramené des petits talkie-walkie. Brandon, est-ce que tu me reçois? Reçu 5 sur 5. Donc Brandon va se cacher quelque part, on va leur donner l'adresse, on va leur donner rendez-vous, ils vont venir et on va tenter de leur faire passer le billet de 20€ qui est un faux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça va pas partir en couille et si c'est le cas, je sais que vous aimez ça, donc c'est que du bon. J'entends le scooter, je sais pas si c'est eux. C'est bon quoi les gars? Tranquille? C'est bon. Tu peux couper le scooter frérot parce que les voisins et... Merci. Du coup, vous avez quoi alors sur vous? Alors là, même les chiffres, si tu veux. Ouais. 22, 30, 50, 10. Faut voir comment c'est, s'il te plaît. Tiens. Faut pas chauffer, les gars, juste faites. Non, mais t'as compris, juste. Je regarde, y'a déjà des capsules? Ouais. Là, tu as des capsules à 10, okay. Tu as la capsule à 20. Vas-y, bah tiens, je prends la capsule à 20, du coup. C'est bon? Vas-y, c'est bon. Vas-y, tenez, les gars. Tiens, vas-y, de toute façon, t'as le smart, hein. Vas-y, c'est le problème. Vas-y, vas-y, frérot, on fait comme ça. Allez, c'est bon. Merci, toi aussi, frérot. À bientôt. Tiens, fais attention, je vais vous faire. Vas-y, viens, viens. Bon, les gars, là, j'ai la capsule dans les mains. Bon, je vais pas la montrer parce que voilà, on est sur YouTube. Brandon, frérot, je pense que tu peux revenir. Hein. En fait, là, moi, ce que je veux, je vais les rappeler sur Snap. Je vais leur dire que c'est pas vrai et tout. Je vais leur dire qu'en fait, voilà, je me suis trompé de billet. Je vais leur sortir une technique à la con parce qu'en fait, le but, c'est pas de les voler. C'était juste de leur faire une blague, en fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un petit message. Et en espérant qu'ils te prennent pas mal, tu vois. Ouais, c'est eux. Ah! Regarde, je t'ai envoyé un message sur Snap, frérot. Je t'ai envoyé un message sur Snap. Ouais. Tiens, là, tu mets des faux billets, t'as serré ou quoi? Ah, tu t'as serré ou quoi? T'as serré. T'es bon, t'as compris. Envoie la capsule. Envoie la capsule. Eh, je t'envoie celle-là, on est là, on te vendu. Envoie la capsule. Envoie un message sur Snap, tu prends pour des cons. Je m'en bats les couilles. J'avais vu, tu veux nous niquer, on va t'es mort, t'as compris ou pas? Est-ce que t'as compris? Je me suis trompé, frérot, je me suis trompé, question. Ah, je vais serrer. Je me suis trompé. Ah, pourtant, je me suis trompé. Ah, c'est quoi ça? Ah, ah, ah. C'est quoi? Oh, tu veux que je me ou quoi? Tranquille, tranquille. Comment? Tu es condé, toi? Tu es condé? Tu es condé? Tu es condé? Tu es flic, rouennais. Moi, tu es flic, rouennais. Tu as compris? Tu as compris ou pas? Est-ce que tu as compris? Charlie pour Delta. Ah non, si, ça fait comment? C'est bon là ou pas? Mais vous allez, les gars? Vous allez? Mais où? Mais comment? Mais où vous allez? Mais ne partez pas! Ne partez pas! Partez pas! Ils ont eu peur! Attends, je vais appeler Brandon. Brandon! Ah frérot, ils ont eu peur, ils ont cru qu'on était des condés. Ils ont cru qu'on était des flics, frère. Vas-y, arrive, vas-y, je t'attends.
Ouais les gars, là ils ont eu peur en fait. Ah frérot, incroyable ce qui s'est passé, je te jure. En fait ce qui s'est passé, j'étais parce que toi tu étais loin. Ouais. Mais en fait, genre ils ont chien neuf, tu vois, quand je leur ai passé le billet de vin, ils sont revenus. Moi je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent, tu vois, ils ont dû capter après. Ils sont revenus et genre ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ouais machin, on va te niquer tes morts et tout machin. Ils ont vu la caméra, je dis ça y est, on est mort. Quand ils ont vu la caméra, je dis ça y est, on est cuit. Et en fait, ils sont allés vers lui et d'un coup, il y en a un, il a sorti quoi? Il a dit ouais. Il a dit qu'est-ce que tu fais un reportage, tu es un condé ou quoi? Tranquille, tu es condé toi? Et dès qu'il a dit tu es un condé, paf dans ma tête, je me suis dit bah vas-y, on va leur faire croire qu'on est flic, tu vois, on a les toki en plus. Et là je leur dis si je suis flic, on fait comment? Ils m'ont dit on va te niquer tes morts. Du coup je suis sorti le truc, je t'ai appelé frérot, ils ont détalé comme des lapins frère. Nous on n'a pas fait ça pour les niquer, on n'a pas fait ça pour vraiment leur voler quoi que ce soit. Là la vidéo elle est pas finie, ce qu'on va faire c'est que je vais les rappeler sur Snap, d'accord? Je vais m'excuser. De toute façon ils ont récupéré la capsule et tout, ils ont tout récupéré, donc j'ai envie de dire on leur a rien volé pour le coup. Mais on va les appeler pour leur dire qu'on n'est pas flic et pour les rassurer, pour que voilà. On va les appeler et on va filmer ça. Allez c'est parti. Ça sonne. J'espère qu'il va répondre. Ouais, ah les gars. Ouais. Ouais, ah, t'as vu tout à l'heure, c'est moi que tu as livré, tu as vu? C'est la police là, au téléphone. Eh ouais, c'est la police, là t'es mort, je t'appelle avec l'immatriculation et tout, on fait comment? Comment non, mais c'est pas ça, qu'est-ce que tu as? Nous on est là, tranquille, t'as vu? On fait notre business, t'as vu? On est pas là pour foutre la merde, c'est quoi? Eh, tu m'as dit quoi? T'as compris, on est pas là pour foutre la merde, nous on fait notre business, on fait notre argent, tu vois, même si c'est ça, tu vois. Bah écoute, frérot, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te dire la vérité, en vrai, je suis pas flic. C'était juste pour rigoler en fait. Je te jure, je suis pas flic. Ah ouais, mais t'es pas drôle, vous, de là. Ouais, je sais. Mais... Regarde ce qu'on va faire. C'est que si un jour j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appellerai à toi et la prochaine fois, ce sera pas des blagues, c'est bon? Et je vais faire tourner ton snap à tous mes collègues et tout qui fument et tout, au moins, tu as compris. C'est bon? Vas-y, parce que là, du coup, tu as récupéré. Du coup, je t'ai rien volé, moi, tu as récupéré le truc et tout. Mais en vrai, je suis pas flic. Frérot, et la caméra, c'était pour une vidéo sur YouTube, tu vois. Mais t'inquiète, je vous foutre. Non, c'est ça. Non, mais t'inquiète, tu seras flouté, frérot, y'a pas de soucis. Toi et ton collègue, vous serez flouté, la plaque d'immatriculation aussi, t'inquiète pas. Mais on n'est pas des flics, c'est dormir tranquille. Vous pouvez dormir tranquille. Bon, merci. Bon, en tout cas, vas-y. Vas-y, frérot, désolé. Pas la frayeur, hein. Non, je reste pas le sang. Vas-y. Attention à vous, les gars. Vas-y. Ciao. Tu vois. Ils étaient pas méchants, frérot. Enfin bref, voilà. Y a pas vraiment de but dans cette vidéo, ni de prévention ou quoi que ce soit. Juste que voilà, fumer, c'est pas bien, ça reste pas bien, d'accord? Et faites attention quand vous allez dans des endroits comme ça ou quand vous appelez des gens que vous connaissez pas sur le net. Faites toujours attention parce que ça peut aller très vite. Donc cette vidéo, elle a été faite spécialement pour les 700 000 abonnés. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. On est 700 000 maintenant. En route pour les 800 000 et pourquoi pas les 1 million. N'hésitez pas à aller voir le clip du frérot qui est en description aussi. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Kamoff. Ciao, ciao.